Au cours du printemps et de l'été 2015, le Conseil provincial des sociétés culturelles, en collaboration avec la Société culturelle Sud-Acadie, proposait de mettre sur pied le premier opéra communautaire au Nouveau-Brunswick intitulé « La déesse d'Acadie ». Cet opéra a fait appel à des artistes professionnels pour l'animation d'ateliers, ainsi que pour la composition et l'écriture de l'œuvre. Celle-ci était basée sur les idées proposées par les participants et les participantes. Parce que les mouvements sont tous détachés. Essaye de plier ça, de rendre ça plus fluide. Ça m'arrive souvent comme metteur en scène d'aussi dessiner la scéno, le décor, les costumes, tout ça. Donc, je les ai parlé de ça, de qu'est-ce que ça pouvait comporter à ce niveau-là, parce que c'était compris que tout le monde, c'est vraiment communautaire, tout le monde allait mettre la main à la pâte à toutes les étapes pratiquement. Donc, c'est ça, participer à la création, à la construction des décors, à chercher des costumes, des éléments de costumes, puis de vraiment les embarquer là-dedans. Je pense aussi au moment où on a construit les décors. Quelle fin de semaine! Tu sais, puis tout le monde, tu sais, les enfants qui cognent des clous, qui cognent sur les clous pour enlever les clous qui peuvent être dangereux, les mères qui patinent les chaudières pour que ça puisse être comme le metteur en scène le souhaite. Tout le monde y a mis, tu sais, tout le monde a contribué finalement à l'ensemble. Puis ensuite, tu mets le fil à travers. Puis ensuite, tu le donnes à Daniel qui aille brancher ça pour qu'on commence. Ouais, ben voilà ça. Ça fait que là, tu peux l'accrocher comme genre, ça. Bonjour, on démêle ça, Daniel! Et? Non, ben regarde, c'est ça qui est fun à propos de rouler. Ben non, Daniel, est venu! Ouais, c'est ça. Moi, je vais travailler, là. Ben, une fois que c'est tout fait, regarde. Watch ça! Ah, il est reparti! Oh, non! Ben non, mais non! C'était vraiment une partie spéciale du projet. C'était de voir le travail qui s'est passé arrière-plan pour être capable de réaliser un projet comme ça. Le travail non seulement des professionnels qui étaient impliqués, mais plus particulièrement aussi des participants qui devaient apprendre leur ligne, qui devaient apprendre à chanter, qui devaient apprendre à tous les éléments de mise en scène. Il y avait tellement de travail, le costume, et puis la construction de la scène même. Ça a été tout qu'un projet, et puis chaque partie a été très bien organisée, où en fait ça s'est déroulé une étape à la fois. Ça peut être des structures comme ça. Ben, Daniel avait déjà dessiné sur papier ce qu'il aimait de faire. On pensait ça, ouais, comment est-ce qu'on va pouvoir embarquer sur ses... Il voulait faire ça 3 pieds de haut. En arrière, ben, pas de railing, comment est-ce que... Si tu qu'elle tombe en bas. Ça fait, anyways, quand est-ce qu'il a décidé que... Il voulait faire ça avec des perlettes. Oui, je connais quelqu'un qui a des perlettes, qui parlait à nous en vendre. Ça fait... J'ai été le voir la semaine. Il a décidé de nous vendre des perlettes 5 piastres le morceau. Fait, vraiment, c'était pas un gros investissement non plus. Il y avait un, comme je sais pas, moi, peut-être 12, 15 perlettes. Je pense qu'on a ramassé, je crois, c'est 16 perlettes, parce qu'on prenait des planches d'eau pour les mettre sur les autres. Fait, le projet, vraiment, ça a été beaucoup mieux que je m'imaginais. Quand ce que Daniel a mis ça, il a dit que c'est ça qu'il voulait. Je pensais, ben, ça se fait pas, whatever. Mais anyway, quand on a embarqué dans ça a vraiment bien marché. On était là samedi,
On a pas mal fait, on a fait le trois quarts de l'ouvrage pas mal avec les perlites, démancher des perlites, bec, visser des perlites. C'était un projet pas mal, tout le monde qui était dans l'opéra était là. Il n'y a personne qui manquait. Oui. Si tu le mets comme ça, là, comme ça. Le mec, ça arrive ici, là. Le creux, ce creux-là, là, ben, tu vas pas voir, tu vas pas t'attacher. Il y a deux planches, tu ne dois pas t'attacher dedans. Oui, ben, quand tu marches dessus, là. On est dans un risque. T'as probablement raison, là. Ah, oui, je suis. Ok, moi, c'est pour. Ah, ouais, non, t'es vrai. Ouais. C'est le même, faut que ça s'aille. Yeah, parce que là, il faut de quoi. Fais-toi que t'avais un marteau, c'est ça. Ok. Ce projet de travail-là, il y en avait qui peignent, qui se tenaient des manches de pelle à coque, il y en a d'autres qui. Tout ça, ça s'est fait en même temps. Il y avait une madame de. C'est un ami à Rosemary, je pense, pas certain. Un ami à Rosemary qui était architecte. Elle est venue, elle a designé la tour de la déesse. Elle a designé ça, puis il y en avait deux, trois qui ont visé ça, puis ça a tout marché dans l'espace de deux heures. C'était designé, puis fait. Si je peux embarquer, la déesse peut embarquer. Tout le monde est en charge. Ben, ça fait, on attachait, on était deux ou trois qui vissaient les planches, puis ça a tout mis en place. De toute manière, c'était. J'ai aimé faire ça. Parce que cette journée-là, tout le monde était happy, tout le monde est parti. Puis même là, tout le long du projet. Il n'y a personne qui a broyé, il n'y a personne qui a. Tout le temps qu'on a fait ce projet-là, il n'y a personne qui a critiqué, il n'y a personne qui a. C'était comme si ça marchait sur des roulettes, all the way through. Ça fait d'une manière. Comment est-ce qu'on ne peut pas demander mieux que ça marchait là. Je ne pense pas. C'est-tu comme que c'est nous qui allons comme faire les constructions de tous les décors et tout ça? Et ben, je m'ai dit comme vraiment. Donc là, c'était vraiment comme intéressant de tout faire comme le décor nous-mêmes parce que c'était comme vraiment une très bonne expérience. C'est comme on a bâti. Le théâtre, comme je savais pas qu'on allait, nous autres, on allait bâtir le théâtre. Comme, je croyais que c'était comme des personnes qui comme, venaient avec nous autres, qui le faisaient pour nous autres, mais c'était nous autres qui faisaient comme, que, puis tout ça, puis. C'est vraiment beau, puis. Daniel nous avait donné des photos à peu près, si tu veux, de qu'est-ce qu'il voulait comme costume de nous autres. Ça fait là, parce qu'on n'avait pas un gros budget, on avait été comme chez Frenchies, on a été des endroits où il y a des vêtements seconde main, des choses comme ça. Puis on a ramassé des choses qu'on pensait qu'il serait peut-être à peu près. Puis là, ils nous avaient donné une fin de semaine où est-ce que c'est là que ça allait se passer, qu'on allait tout faire pour la faire des costumes, puis la construction de la scène, puis tout ça. Puis les costumes, il y avait deux dames aussi qui étaient un petit peu professionnelles, qui avaient amené des costumes. Ça fait qu'avec ce qu'on avait, puis ils ajoutaient, comme moi j'avais la jupe que j'avais amenée de moi-même, un chandail aussi, ça a été pris. Mais il y avait un tablier que les madames nous ont ajouté, puis des choses comme ça. Puis c'était comme excitant, là, je dirais, qu'on était tous ensemble. Puis là, oh, ben ça c'est, puis on riait l'une de l'autre, puis
qu'on se soutenait ou qu'on riait de l'autre. Ah, puis elle m'a trouvé un chapeau, regarde-moi ça! Ça va! Cool! Ah, oh, il fit! Oh, oui. Pour les costumes, c'est que moi, j'avais quasiment rien comme... Quasiment tout ce qu'on avait trouvé, ça avait été changé. Il y avait rien que deux choses qui n'ont pas été changées, puis tout le reste avait été changé. Mais avec les affaires qui ont été changées, c'était beaucoup mieux qu'avant. Madame nous comme disait qu'est-ce qu'on allait choisir comme les costumes, ce qu'on devrait comme avoir. Ben, elle nous a donné comme une photo, une fiche de ce que les enfants portaient dans le vieux temps. Puis c'est comme... On a tout trouvé ça, puis là, il fallait qu'on cherche dans les magasins. Pas trop comme couleur, parce que c'est comme le vieux temps, là. C'est pas comme tout de suite. So, on a tout pigé des affaires blanches, but... Puis après ça, il y avait comme une personne qui faisait comme le linge, puis comme ça, là. Elle faisait les costumes. Puis là, elle a comme amené des bandeaux, puis des souliers, des bas, toutes des affaires pour comme vraiment comme le faire comme vrai, là. Parce que moi, j'avais comme un t-shirt, puis ça gardait pas vraiment beau. Là, elle m'a mis un petit veste avec, puis ça gardait comme vraiment comme beau, puis une petite boucle. Puis... Ben, au début, moi, je pensais pas que ça allait être comme vraiment de même. Moi, je pensais que ça allait être un petit peu plus pauvre, comme vraiment comme des robes et du stuff de même. Moi, je pensais que ça allait être comme qu'il n'y aurait pas de robes et du stuff de même. Mais on dirait qu'il y avait des robes à ce temps-là. Quelquefois, on avait amené nos machines à coudre, puis on a fait des petites altérations. Ah, le cher défi technique du costume. Ouais, disons que je pense que le plus gros défi, c'était de monter dans cette tour dans laquelle j'étais grimpée. Je disais à tout le monde, c'est comme un processus parce que je devais lever ma robe, grimper la première marche, monter tranquillement en décrochant tout mon chapeau et ma... parce que j'avais une espèce de chapeau qui était vraiment là avec des pics et des choses. Puis en même temps, le bois quand même aussi à certains endroits était rough. Donc la robe qui était quand même en genre de toile fine avait tendance à s'accrocher, donc c'était décroché tranquillement pas vite partout pour monter. Monter la robe, pouvoir monter le pied, ensuite tranquillement pas vite, monter en décrochant tout ce qui accrochait partout. C'est à peu près ça le plus gros défi. Pour le reste, vraiment, c'était aussi, disons, de pouvoir marcher sans m'enfarger non plus dans ma robe et tout ça.
Et aussi, bon, mais de tenir la tête quand même assez droite, parce que c'est sûr que si j'avais tendance à trop pencher ou regarder en bas ou quelque chose comme ça, ou si je faisais un mouvement trop brusque, ben là, mon casque et ma perruque risquaient, parce que la perruque était attachée avec le casque. Donc, ça faisait aussi partie du défi. Donc, ça, c'était quelque chose que j'avais des fois un peu peur que ça, disons que ça déboule, là, mais ça s'est bien passé. Même la mousse. Ah oui. Hey, je te dis. C'est moi qui ai choisi ça. Ah, ça. C'est bon. Regarde ça. Il y en a là. J'aurais pas remarqué. Il y en a sur le côté ici. Quand j'ai vu ça, Daniel, j'ai pensé à toi. J'ai pas envie de te faire de ça. Ah, j'ai envie de mettre de bord. Non, mais j'aime ça que vous pensiez à ces affaires-là. Ça veut dire que vous avez un sens. C'est comme Cécile, là, je trouve, est rendue incroyable au niveau des costumes. Elle comprend tout le principe de vieillir un costume et tout. C'est génial. Elle JR? Donc, on a deux soirs. Elle JR. Puis je vais te donner les numéros de 1 à 10. 1 à 10, puis 1 à 10. Parce qu'il y a deux soirs. Hein. Puis si tu manques de billets, tu me reviens et tu me le dis. Je vais toujours les traîner avec moi. Premièrement, notre éclairagiste est là, donc je vous présente Brigitte Galland, qui va faire l'éclairage pour nous. Donc, Brigitte, équipe. Mais tu vas découvrir tout le monde, dans le sens que tu vas découvrir l'histoire, le cœur des enfants, le cœur des femmes, la déesse, le maire, l'adjoint du maire, la leader du groupe d'enfants, le marin, le pêcheur. Good. J'aimerais ça si on pouvait se donner comme une routine, dans le sens que vous arrivez tout le temps à l'heure, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, on arrive, on se donne un petit 5 minutes de « Allô, comment ça va? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? » Après ça, on fait plus ou moins une demi-heure de musique avec Rosemary. Après ça, on se prépare, on enchaîne, puis après ça, c'est des notes. Et donc, on viserait des rencontres qui dureraient un peu moins longtemps, qui finiraient plus tôt le soir. Tu sais, ça pourrait être comme un 2 heures, 2 heures et quart, style. Ça va varier de soir en soir, là, mais on va essayer d'être plus tight dans nos affaires. Tout le monde est correct avec ça? Oui. Oui, madame? On enchaîne-tu avec les costumes? Ça va dépendre des fois. Aujourd'hui, vous n'enchaînez pas avec les costumes. OK? Parce que je veux pas, comme j'ai vraiment apprécié de voir les costumes hier, c'était très beau, mais je veux pas user le fun non plus. Dans le sens, il faut que ça reste spécial, faut que quand vous mettiez votre costume, que vous deveniez le personnage, que ce soit quelque chose de sacré, de spécial. C'est pas juste j'enfile quelque chose. C'est comme une fois qu'on a un costume, habituellement tu fais plus n'importe quoi, tu cours pas avec ça, tu manges pas quand t'as ton costume, t'as pas de café. Ça fait partie du show, déjà. OK? C'est pas léger. Parce que toute la carcasse y va avec, toute la mâchoire y va avec. Faut vraiment que ça soit lo. C'est juste le bout de la langue. Moi, je pensais des rampes. Non, j'ai dit choppy l'autre jour, j'avais dit ça. Parce que les marches penchaient bien, puis c'était comme plus, il fallait figurer out. Fait qu'il nous manquait les deux marches-là.
Okay. Ils ont levé le plancher de Diane, puis on a retaqué tout ça en avant pour que ça roule plus. Puis on solidifié la passerelle en arrière parce que là, on ne se sentait pas safe. Ça, ça jouait. Puis dis-moi donc, ça va tout se défaire pour le transport oui. Ou c'est ça la longueur? Non. Ça vient tout. C'est 4 pieds par 40. Okay. Donc moi, je sais que les 40, 4 pieds, ça rentre dans ma voiture. Je ne sais pas combien, on va falloir voir. De toute façon, je ne sais pas, Marie-Thérèse et moi, on parlait de un camion. Ah! Les fins de semaine, on ouvrait des camions. Ben, je pense. OK, mais entre les fins de semaine, où ça va, ce stock-là? Ça revient ici, ouais. Qu'il vient de décharger, c'est ça qui est plat. Combien de fois qu'il faut monter et démonter, Tania? On va démonter comme le 27, je pense, ouais. Qu'on travaille. Pour déménager ça, le 28, on installe à la salle multifonctionnelle. 28, 29, y a-t-il quelque chose de 30? En tout cas, le 1, on est tous dans la même salle. Après ça, on démonte. Oui. Puis là, je ne sais pas l'ordre, mais il semble que c'est... Soit JR, Camille. Fait que là, ça veut dire un autre montage. Ça veut dire deux montages. Plus deux démontages. Mm-hmm. Ensuite, bouctouche. Bouctouche. Montage de montage, 3-3. Puis ensuite, c'était. Là, il y avait un problème de date, Moncton, à Aberdeen. Aberdeen. Okay. C'est 4 fois. Mieux que 6. Ouais, c'est mieux que 6. Une chose que j'ai beaucoup, disons, personnellement, que j'ai beaucoup apprécié à propos du projet, c'est que c'était. Le projet faisait appel à pas seulement performer comme acteur sur scène et. Performer au niveau du chant. Tout le projet nous demandait, par exemple, je veux dire, la journée qu'on avait une présentation, je veux dire, ça commençait le matin. Tu sais, il fallait aller à l'école, il fallait mettre tous les décors, etc., dans le camion. Puis tout ce côté-là, moi, j'aime ça, là, tu sais, participer à construire. Puis après ça, on allait à l'endroit où on donnait le spectacle, on devait construire, tout mettre la scène. Puis c'est ça, ensuite performer, puis ensuite démonter le tout, remettre tout ça dans le camion, etc. Puis moi, j'aime tous ces aspects-là aussi. Alors, je trouve que c'était vraiment une expérience qui était comme complète. On se présentait pas juste, tu sais, une heure et demie avant le spectacle pour faire le maquillage et se faire farder et, tu sais, réchauffer notre voix. On avait commencé dès le matin à se préparer, puis on savait qu'après le spectacle, après que, bon, tu as les compliments, tu rencontres les gens, tu es encore sur le high, mais après, il faut démonter. Donc, il faut faire comme tu sais, c'était comme à la fin de la soirée, là, OK, on a fait ça, on démonte ce qu'on a fait pour se préparer, pour amener tout ça à un autre endroit. Donc, ça, j'ai beaucoup, beaucoup aimé tout ce côté-là. Merci.